Alice, te voilà! Prépare-toi vite, on a un tournage! Quel tournage? 24 heures sur le canapé! Quoi? Et moi, je suis pas dans ce tournage? C'est écrit ici que c'est Alice seulement. C'est pas juste, je veux le faire aussi! Amelka, tu pourras la prochaine fois. Amelka, tu ne tiendras pas 24 heures sur le canapé! Si, je tiendrai! Non, tu ne pourras pas! Les filles, c'est quoi tout ce bahut? Elle m'empêche de participer au défi! Léona, c'est toi l'animatrice! Dis-lui, s'il te plaît, que nous ne pouvons pas filmer toutes les trois sur le canapé! Toutes les trois? En voilà une idée! Quoi, Léona, t'es pas sérieuse? Mais bien sûr que je le suis, ça va être cool, trois personnes sur le canapé! Et en plus pendant 24 heures! Mais non, ça va être un désastre, on va être à l'étroit! Le canapé est assez grand, allons-y! Ouais! Tu vois, je te l'avais dit, comme il est grand, vous allez faire les trois! Je sais pas trop... Je vais être au milieu! Hé, c'est moi qui voulais le milieu! Arrêtez un peu de vous battre, nous réglerons ce problème plus tard, maintenant vous devez vous préparer! C'est quoi ça au juste? Je vous l'expliquerai plus tard. Moi j'ai une cuisine. Moi une salle de bain. Et moi j'ai une chambre d'enfant. Ça signifie quoi? Ça signifie que les objets que vous devez collecter doivent être sélectionnés uniquement dans la pièce indiquée sur la feuille. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que je peux prendre des objets uniquement dans la salle de bain, c'est ça? Et moi dans une chambre d'enfant? Je suis sûre que vous vous débrouillerez. Le chrono commence. C'est une bonne chose que j'ai eu la cuisine. Il y a beaucoup de choses ici. Je vais certainement pas rester affamée. Un bon sandwich et une boisson. Les gars, c'est un désastre. J'ai choisi la salle de bain. Il y a presque rien ici, vous voyez? Alors, brosse à dents, pâte à dents, c'est déjà ça. Et je peux prendre ce verre aussi. Oh, et je pourrais y mettre de l'eau dedans. Bien, au moins je ne mourrai pas de soif, hein? J'adore ce sweat, ce sera le vêtement le plus confortable pour le concours. C'est une bonne chose que j'avais oublié ma trousse de maquillage ici hier. Et comment je vais faire pour apporter tout ça? J'aurai sûrement aussi besoin d'une serviette. Et voilà! Ça craint! Qu'est-ce que je vais prendre ici? C'est la chambre d'Amelka! Voyons ce qu'il y a ici. Ouh! Le sweat confo d'Amelka! Je sais pas pourquoi j'en aurais besoin, mais... Oh! Un pop-it! Je le prends! Un masque de beauté aussi! Et le pire, c'est qu'il n'y a pas de nourriture ici! Je sais pas quoi faire! Comment je vais manger? J'aurai sûrement besoin d'une couverture! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des bonbons? Oh les gars, on dirait que la chance me sourit. Apparemment, Amelka les avait cachés pour pouvoir les manger en cachette plus tard. Qu'est-ce que je pourrais bien trouver d'autre? Je ne sais pas. Oh, je pourrais prendre ça aussi, au cas où je veux dessiner. C'est fait. D'accord, j'ai ramassé un paquet de trucs. C'est quoi ce sac étrange? Tu l'as volé du Père Noël? Arrête, c'est pas drôle. Oh, enfin, j'ai terminé. Hé, mes marqueurs! C'est pas tout, j'ai aussi trouvé une couverture, un pop-it et tu ne le croiras pas? Des chocolats! Quoi? Où tu les as trouvés? Là où tu les avais cachés? C'est pas juste ça, je les ai achetés avec mon argent! Eh ben, je suis désolée, mais c'est toi qui as insisté de filmer ce défi. Ça fait même pas 10 minutes et vous vous chamaillez déjà! Ouais, les filles, faites un effort, on va devoir s'entendre pour 24 heures. Je vais m'asseoir au centre! C'est moi qui l'ai dit en premier! Alors nous allons tirer au sort! Prenez-en un! Tiens, choisis! Y a quelque chose dedans? Youhou! J'ai la partie du centre du canapé! Moi j'ai le côté gauche! Ok, Amelka, Alice et moi! Moi j'ai le côté droit! Alice, on peut échanger? Je te donnerai tous mes bonbons! Non merci, je vais me débrouiller avec ce que j'ai! Pas besoin de tes bonbons! Maintenant que nous avons réparti les sièges, vous pouvez vous installer! Attention, le défi de 24 heures sur le canapé commence! N'oubliez pas qu'il vous est interdit de quitter le canapé et d'utiliser les affaires des autres. Bonne chance! Merci, je sens que nous en aurons besoin. Où je devrais mettre toutes ces choses? Oh, une chaise! Je vais essayer de l'atteindre! Excellent, je peux y mettre mes affaires! Amelka, t'es chanceuse d'avoir trouvé un tabouret. Je sais pas quoi faire avec mes trucs. Moi, je pourrais utiliser la table. Oh, j'ai une idée, je peux mettre mes affaires sur le bord de la fenêtre, comme ça.
Hé Alice, c'est ma partie du canapé, bouge tes affaires d'ici. Et il est écrit où que c'est ta partie exactement? Tu vois ce coussin? Derrière, c'est mon territoire. Et ce coussin, c'est mon territoire. Hé, mais tu m'as pratiquement pas laissé de place! Pousse-toi un peu! Bien, bien. Ici, c'est mieux. Alors, vous avez divisé le canapé? Ouais! Trouvons quelque chose à faire, je suis déjà morte d'ennui. Faites ce que vous voulez faire, moi je vais me changer. Ce sweat est le vêtement parfait pour un défi sur le canapé. Oh, j'ai oublié le mien dans ma chambre! Tu veux dire celui-là? Hé, hey, mais pourquoi tu l'as? Et que voudrais-tu que je fasse? Mes vêtements ne sont pas dans ta chambre. Pourrais-tu me rendre mon sweat, s'il te plaît? Et puis quoi encore? Je suis censée utiliser quoi? Mais c'est pas juste, t'es trop grande, tu vas le déchirer! Ben alors demande à Léona d'aller chercher le mien dans ma chambre. Et tu me rendras le mien? Mm-hmm. D'accord, Léona! Amelka, tu m'as appelé? Oui, j'ai une demande à te faire. Pourrais-tu aller chercher le sweat de Mila? Le sweat de Mila? Ouais, je peux, mais pas gratuitement. D'accord, dis-moi ce que tu veux, je vais le faire. Laisse-moi y penser un peu. Ah, je veux que tu manges 3 cuillères à soupe de soupe aigre. Quoi? Non, pas question. À plus. Maintenant, vérifions si ce sweat est élastique. Non, Léona! Est-ce que t'as changé d'avis? Ouais, apporte la soupe. Berk, pourquoi ça pue autant? On est de tout cœur avec toi, Amelka. Oh, j'arrive pas à regarder. Y'a rien qui m'empêchera à récupérer ce sweat. Allez, prends ta deuxième bouchée. Et la troisième. Bien joué. C'était affreux. Amelka, t'es un héros. Tiens ton sweat, tu l'as bien mérité. Merci. Tiens. Mais c'est pas le mien, ça. T'es pas sérieuse? Alors j'ai avalé cette soupe infecte pour rien? Je plaisante, je voulais juste voir ton visage. Ah, très drôle. Les filles, changeons-nous, d'accord? 1, 2, 3. La classe, c'est beaucoup mieux comme ça. Maintenant, je vais me brosser les dents. T'as de la chance d'avoir ta brosse à dents. Qu'est-ce que nous, on fait? Ah, je vais me faire un masque pour le moment. C'est pas juste, je l'ai acheté d'un autre pays. Désolée, mais tu devras t'en acheter un autre. Et si on faisait de la méditation? Vous avez toutes quelque chose à faire, je sais pas quoi faire moi. Oh, peut-être de l'exercice? Et cette boule magique me sera utile. 1, 2, et 3, 1, 2, et 3, 1, 2. Amelka, tu pourrais baisser le ton un peu, tu vois pas que je fais de la méditation. Ça y est, je me suis brossé les dents. Maintenant, je peux prendre mon petit-déj. Mais j'ai rien que de l'eau à manger. C'est bien que j'ai ma réserve de sandwich et de boissons gazeuses. Et moi, des sucreries. Et comment t'as trouvé ma cachette au juste? Même papa ne pouvait pas la trouver. C'était pas difficile. Les filles, c'est pas juste. Vous avez quelque chose à manger. Je crois que je vais appeler Léona. Pense-y à deux fois. T'es certaine que tu veux faire ça? Je crois pas. T'as une meilleure idée, toi. Fais comme la dernière fois et commande une pizza. Et utilise l'aspirateur pour l'amener ici. T'auras pas à débarquer du canapé. Oh, mais c'est vrai, les filles! Vous êtes des génies, c'est ce que je veux faire! Oh ouais, la pizza est arrivée! Qu'est-ce que je fais maintenant? Dis au livreur de venir dans la maison. Et lui envoyer l'aspirateur robot! D'accord, je vais lui écrire. Mais qu'est-ce qui se passe? L'aspirateur robot ne fonctionne pas! Oh, peut-être qu'il est déchargé. Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Les filles, merci pour la pizza! Toute garnie, je préfère 4 fromages. Léona, c'est pas juste, c'est ma pizza. Non, c'est contre les règles. Oh, allez, j'ai faim. D'accord, je te permets d'aller chercher de la nourriture dans la cuisine. Mais t'as seulement le droit d'utiliser cette chaise. Non, mais c'est une blague. Alors, tu veux pas manger? Non, je vais le faire. Je ferai pas pour manger un morceau. Voilà. Oh, un sac! Excellent! Ouh. Enfin de retour. Montre-moi un peu ce que t'as apporté, Alice.
J'ai... des œufs à la coque, une banane et du chocolat. Au moins, je ne resterai pas sur ma faim. Oh, ce qu'on s'ennuie, la moitié du défi est même pas passée. Et si on regardait un film? C'est vrai, on a une télévision juste là. C'est pas une mauvaise idée, mais la télécommande est dans la cuisine, les filles. Oh non, mais comment y accéder? On pourrait appeler Léona. Léona! Je suis là. Pourquoi vous criez comme ça? On peut avoir la télécommande? S'il te plaît. Je peux si l'une d'entre vous veut jouer avec moi à ça et qu'elle gagne contre moi. Mila, fais-le. Tu gagnes toujours au Jenga. D'accord. Pourquoi tu tires du bas? C'est ce que je veux faire. C'est pas juste. J'ai le droit? Non. Oui, sans les règles du Jenga. Oh! Hourra! On a gagné! La télécommande! Quel film fascinant! Ouais, mais il manque du pop-corn avec ça. Et des chips aussi, j'ai encore faim, moi! N'y pense même pas, on ne demande plus rien à Léona. On peut même pas lui demander, elle est allée au magasin. Oh, ça règle le problème? Oui, c'est ce que je te dis. Non, je peux pas ce soir. Ouais, peut-être demain. Quoi? Les devoirs? D'accord, je vais voir. Cool, Léona s'est acheté un paquet de friandises. Chips, crackers, popcorn, tout ce qu'on voulait. Peut-être que Léona partagera avec nous? J'en doute. Pourquoi demander? Tu veux dire que tu vas enfreindre les règles? Non, je vais même pas descendre du canapé. C'est une canne à pêche? Qu'est-ce qu'elle fait là? Maman l'a acheté à papa pour le nouvel an, alors on va attraper quelques friandises avec. Quelqu'un veut du pop-corn? Ouais, moi. Tiens. Hé, hey, Mila, tu voulais des crackers? Voilà, j'en ai pêché pour toi. Balance-le ici. Ouais. Super, ce sont mes chips préférés. Amelka, c'était une idée de génie que tu as eue, là. J'arrive pas à le croire. Vous avez enfreint les règles, c'est ça? Pas vrai, j'ai pas touché au sol. T'es en train de me dire que t'as pas marché sur le sol? Ouais, on a obtenu les friandises avec la canne à pêche, regarde. La quoi? Vous pouvez pas faire ça. Y a aucune règle qui interdit l'emploi de la canne à pêche. C'est quand même contre les règles. Vous allez être punis. Oh oh. Maintenant, vous allez vider votre contenu dans ce grand bol. Maintenant, prenez une grosse cuillère. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Mangez! Appréciez votre film et votre petit tanka! Bah au moins, elle nous a laissé garder nos friandises. Arrête de parler et mange, Alice! Et réjouez-vous que ce ne soit pas de la soupe aigre, burk! C'est sûr, ça! Taisez-vous, on regarde le film maintenant. Wow, le final, ma surprise! Moi, je savais que ça se terminerait comme ça. Bon, je suis fatiguée, je vais dormir. T'as de la chance d'avoir une couverture. Moi, j'ai qu'une serviette. D'ailleurs, je pourrais essayer de me couvrir avec. Moi aussi, j'ai des serviettes, mais elles sont petites et elles viennent de la cuisine. Oh, Léona! Qu'est-ce que tu fais? Ça va pas? C'est votre punition pour avoir mangé mes friandises. Je faisais un si beau rêve. Pourquoi tu nous as réveillés? Connerie. J'ai encore un bourdonnement dans l'oreille. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il reste encore beaucoup d'heures avant la fin du défi. On pourrait faire une petite fête? Une fête? Ouais, une fête. Et pour commencer, on pourrait toutes se maquiller avec ça. Léona ne nous laisse pas partager nos affaires. C'est pas un problème. Je peux vous maquiller. D'accord, moi en premier. Bien, assieds-toi. C'est à moi maintenant. Waouh, merci. T'es très jolie, Mila. Bien, maintenant la fête peut commencer. Attendez, et les coiffures? Ouais, et moi je veux des boucles d'oreilles aussi. Mais j'en ai pas. On peut demander à Léona? Oh non, j'en ai assez d'elle. Je préfère faire mes propres boucles avec du papier. C'est une bonne idée, ça. J'ai vu une vidéo de ce genre sur Internet avec des life hacks. Il n'y a qu'un seul problème. Il faut se le faire sur des cheveux mouillés. Pas de problème, regarde, j'ai une bouteille toute pleine d'eau. Qu'est-ce que tu fais au juste? Allez Alice, mets de l'eau sur mes cheveux. C'est allé dans mon œil! Mets-le sur mes cheveux! Mila, t'es vraiment très belle. Merci, ouais, je dois dire que c'est plutôt cool. Alice, tu veux aussi te faire des boucles? Très bien, tu peux m'aider? Mais bien sûr! Ah, mais qu'est-ce que tu fais?
fais? Je te donne un effet de cheveux mouillés? Bon, très bien. Je crois que c'est fait. C'est l'heure de commencer la fête. Et les vêtements? J'ai pas envie de faire la fête dans mon sweat. On pourrait demander des vêtements à Léona. Tu sais qu'elle voudra quelque chose en échange. Eh bien, nous ferons ce qu'elle nous demande, mais nous passerons un bon moment. Vous êtes d'accord, les filles? Ok, essayons. Léona! Parlez vite, j'ai pas beaucoup de temps. Apporte-nous nos vêtements. Quelque chose de chic, on planifie faire une petite fête. Vous voulez toutes vos vêtements? Non, j'ai pas accepté de faire ça. S'il te plaît. Bien, attendez-moi. Vous voyez, Léona est pas si méchante. Oh, voilà, j'ai trouvé. Oh, merci Léona, maintenant nous allons nous changer. Et ensuite, on fera la fête. Non, 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 c'est ennuyeux, choisissez au hasard. Mais on ne veut pas faire ça. Allez, allez, j'ai fait ce que t'as demandé, c'est ma condition. Je vais aller en premier. Tiens, choisis. Bien, alors je suis la deuxième. Mila. Allez. J'essaie de choisir quelque chose au hasard. Allez, je veux pas attendre toute la journée. Allez, Amelka, choisis quelque chose d'autre. Et maintenant, vous allez vous changer. Nous avons tous de super tenues. Ouais. Moi, j'aime bien. Vous avez oublié vos perruques. Alice, Amelka, allez. Quel cauchemar. On dirait que je suis une grand-mère. Ouais, et tu t'es même pas vue dans un miroir. Arrête de nous filmer. Ouais, on doit faire une fête ici. Quel dommage que vous ne m'avez pas invitée. Serpent. Oubliez-la. C'est l'heure de s'amuser, les filles. Je propose de faire un TikTok comme ça. Oh, ouais, bonne idée. Arrêtez, je propose de poster la vidéo et voir comment le public réagit. Wow, vous avez vu le nombre de vues de nos vidéos? Et d'abonnés. On dirait qu'on est arrivé au sommet, cool. Et c'est grâce à Léona et son défi. Salut les filles, la fête est déjà finie, hein? Léona, merci. T'es super, Léona. Les filles, qu'est-ce qui se passe? Regarde! Wow, les filles, attendez-moi, j'arrive! Les gars, abonnez-vous à la chaîne et mettez des likes!